On ne prospère pas par la bouche, on prospère par l'acte, on prospère par la foi, on prospère par la vérité, on prospère dans le spirituel. Celui qui veut être prospère, celui qui veut prospérer doit s'imposer dans le spirituel par la parole de la prière. S'il ne s'impose pas par la prière, il ne peut jamais s'imposer, il ne peut jamais prospérer. Et quand vous parlez de la bénédiction, laissez-moi vous dire, la bénédiction, c'est d'abord spirituel. Une bénédiction est physique quand elle est commandée, quand elle est commandée par la prière dans le spirituel. Et d'habitude, vous allez voir ceux qui prospèrent dans le physique, qui sont extrêmement riches, c'est parce que ils ont, alléluia, une alliance spirituelle. Ils ont fait une alliance dans le spirituel. C'est grâce à cette alliance qu'ils ont prospéré. Ils ont été bénis dans le physique. Tu veux prospérer, tu ne sais pas comment il faut prospérer. Mais laisse-moi te dire, il te faut une alliance. Il faut que tu établisses cette alliance avec le Dieu de mes pères. Si tu établis cette alliance avec le Dieu de mes pères, tu peux prospérer dans le physique, dans le spirituel. Et la bénédiction sera possible dans le physique. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de mes pères, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le lion de la tribu de Judas, c'est lui seul qui est capable de te sauver. Alléluia. Rombo sabara katarabos. Ribo se teraba ribo sambara kantarabo. Alléluia.